Alors, vous croyez que Kikugo est la dernière victime? Probablement oui. Aucune idée. Mais il faut qu'on reste vigilant en tant que le coupable est dans la nature. Je me demande si quelqu'un apparaîtra de nouveau à la télé s'il pleut. C'est bon. Ah, pardon, on en savait un peu plus sur ce tueur. Ça sert à rien de se prendre la tête. Si quelqu'un apparaît sur la chaîne de minuit, alors on s'en occupera. Il devrait y avoir une pluie bientôt, mais j'espère que le temps se maintiendra la semaine prochaine. Avec les partiels et tout. J'ai obligé de parler de ça, je vais pas y penser. J'avoue que heureusement que les criminels dans Persona respectent quand même les périodes de partiel. Franchement, ce serait... Imaginez un Persona où le mec, il fait ses petits assassinats la semaine où on est obligé de travailler. Si seulement j'avais le temps du Kiko pour les études. Dis Yosuke, tu devrais réviser un peu avec elle, tu crois pas? C'est vrai que c'est toujours elle qui a les meilleures notes. Je dois peut-être lui demander de me donner des cours privés. Des cours privés? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais aïe, mais ça sort d'où ça? Je te demande juste que tu m'aides à réviser. Oh, pardon, tu parlais de réviser. Je croyais que t'allais faire une blague déplacée. On a eu des visiteurs un peu étranges à l'auberge dernièrement. Ouais, tu m'étonnes. Si tu crois que c'est une blague, raison de plus pour laisser... Si tu crois que c'est une blague, raison de plus pour laisser passer. Bah non, justement. Pardon, ma main a agi d'elle-même. Non, non, c'était pas volé. Tu parles. Merci bien d'avoir lancé le sujet des révisions, de chier. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est toi qui présentes ça comme un pervers, des cours privés, bah tiens! Ah, du coup, c'est ma faute! Il faut que je me mette en route. Comme putain! Ah ouais! Ah ouais! Waouh, l'ambiance! Les cours sont finis pour aujourd'hui, vous devez attendre la prochaine nuit pluvieuse. Eh bah, c'était pas mal! C'était pas mal, hein? Cette petite ambiance bien sympa, là. Hein. Donc, il y a Yosuke qui veut qu'on aille traîner après les cours. Est-ce qu'on a d'autres personnes? Est-ce qu'on est vendredi, là? Il se passe rien le vendredi, c'est ça? On peut aller voir ce que fait la fille sur le toit? Yachie aussi. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? N'y a-t-il pas un de vos camarades... Pardon, n'y a-t-il pas un de vos camarades qui s'intéresse à cette fille? Comment? Qu'y a-t-il? Demander ce qu'elle fait, se renseigner sur ses hobbies, se renseigner sur ses rêves. Je veux devenir vétérinaire, c'est pour ça que j'étudie autant. Vous pourrez lui demander de plus aujourd'hui, revenez plus tard. Eh? Ok. Est-ce que je passe du temps avec Chie ou est-ce que je passe du temps avec Yosuke? Passer du temps avec Chie, on est d'accord, Yosuke, j'ai pas de persona qui aille bien. Salut Pocket, tu fais quoi? Chie n'a pas l'air occupé. Comme vous pouvez cesser cela, personne n'y est avec le chariot, vous sentez une connexion possible. Vous sentez que votre lien avec Chie n'est pas prêt de s'approfondir. Passez l'après-midi avec Chie. Oh, le seum. Ah, oh, t'étais occupé. Pardon, pardon. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi ne semble pas prêt de s'approfondir? Bon, bah, on va garder ça pour un soir, du coup. Hein. Faut qu'on passe du temps avec Chie le soir. Mais pourquoi? Mais je fais tout le temps des super bonnes réponses avec elle. Lui, il a de nouveaux potes. On n'existe plus pour lui. On n'existe plus pour eux. Ils ont des nouveaux potes, on n'existe plus. Yo, Pocket! Vous savez qu'on pouvait pêcher dans la Samegawa? Quel genre de poisson peut vivre là-dedans? Moi, ça me fait limite slipper. Rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Si t'en attrapes, inutile de me les donner à manger. C'est vraiment... Le jeu vient vraiment de faire un tutoriel, là? Vraiment? Mais je sais pas où est-ce qu'on peut trouver cette putain de canne à pêche, alors foutez-moi la paix, merde! Tiens, toi, t'as l'air de dire un truc. Parle de truc inintéressant. Ça va, on est d'accord que ça va être à la mercerie. On va aller voir le sanctuaire, d'accord? C'est toi qui vis chez Dojima, pas vrai? Est-ce que l'Anako va bien? Il a l'habitude de vivre seul? Je ne suis pas inquiète pour lui, mais je ne le vois jamais faire de courses. Est-ce que tu manges bien? Pas facile, la vie de campagne, hein? Sakicho, ne fouine pas comme ça dans la vidéo, je récupère tes affaires. Oh, je me fais juste un peu de soucis, rien de mal à ça. C'est la mercerie, mais... Qui va me donner cette putain de canne à pêche? Qui va me donner cette canne à pêche de... Le vieux. Le vieux!
Hé, hey, c'est bien toi qui m'as offert ces feuilles l'autre fois. Grâce à toi, je peux jouer avec mes petits-enfants, je vais rendre un fier service. Loué soient les dieux qui nous ont permis de nous rencontrer. J'ai commencé à restaurer son cuir car j'arrivais peine à voir. Je lui ai redonné une jeunesse mais je n'ai pas d'argent. J'ai installé un coffre à prédiction pour récolter les fonds. D'habitude, on les sort quand de grandes occasions comme le nouvel an, mais c'est pour les dieux. Je trouve ces prédictions dans des sanctuaires très réputés pour des présages relationnels. Ça marche, c'est sûr. Tire-en une, tu pourras te rapprocher de la personne de ton choix. Au fait, on range des prédictions quand il pleut, ne sais pas avoir. Ok. Job s'en va gaiement. Ah, donc avec quel lien social allez-vous passer? Ah non, 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 ça passe du temps. Fille de la classe, chier. Ah non, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps de tirer une prédiction. Grande bénédiction. Votre lien avec Chier s'est un peu resserré. D'après la fortune, votre relation ne devrait pas s'approfondir. Ça va passer le temps, là, c'est ça? Non, 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 non. On va reset ça, on va reset ça. On va charger. Je suis désolé, les viewers. Je pensais pas que ça prendrait du temps. Je pensais que c'était comme... comme avec... comment elle s'appelait? Non, 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 je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord avec ça, non. Je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer, là. Je n'accepte pas. D'ailleurs, vous avez vu les images du Persona 3 Reloaded ou pas? Parce que ça se précise un peu, hein. Yo, si t'as rien à faire, tu veux qu'on aille quelque part? Yosuke aimerait aller quelque part. Passer l'après-midi avec Yosuke. Voir le niveau de lien social. C'est quoi son lien? Battler. Il faudrait que je me fasse des personnages du Battler. Faudrait que je me fasse des personnages du Battler. Aller en ville. On va vite fait aller voir la plaine inondable. Voir si on trouve pas un pêcheur ou je sais pas quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est à lui qu'il faudrait ramener un hameçon. Je sais pas où je peux acheter un hameçon. J'ai l'impression que c'est le vieux à qui il faut ramener un hameçon parce qu'il nous dit qu'il en a... Tu aimes les chats... J'ai pas écouté ce qu'il racontait, hein. Il faut faire une quête pour quelqu'un pour avoir un hameçon ou... Il faut peut-être faire une des quêtes, ceci dit, hein. Est-ce qu'il y a des nouveaux bouquins? Oh oui! Bien sûr. Congé. Le prof harcelé, volume 1. À lire pour gagner en empathie. Oui. À lire pour gagner plus de discipline en pliant des enveloppes manuelles de bureau. On achète. Faudra que j'en fasse du cash quand même un jour, hein. Bienvenue dans la chambre de velours. Ah, bah il manque Marie. Qu'est-ce que cette histoire? Elle a laissé un mot encore. Quelque chose a changé, Marie n'est pas là. Si tu cherches Marie, je lui ai demandé un service. Elle sera bientôt de retour. Un service? Où l'avez-vous envoyé? Je t'en prie, ne sois pas inquiet. Uniquement lié à nous autres, résidents de la chambre de velours. Jamais je ne laisserai errer seul dans ton monde. Hein? Il y a un morceau de papier au sol. Oh, qu'est-ce que c'est? Elle a dû le laisser tomber. Visiblement, ce papier appartient à Marie. Quelque chose y est écrit, vous devrez peut-être lui rapporter. Hein? Non, arrête! Marie vous arrache le papier des mains. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tu faisais quoi, là? T'as regardé? Peut-être bien, j'aimerais voir. Non? Ah, c'est vrai? Bon, alors tant mieux. Marie paraît très soulagée. Oublie ce qui s'est passé, laisse tomber. Je vais t'hypnotiser. Tu t'endors, tu n'y vois plus rien. Maintenant, réveille-toi! Une réaction des plus intéressantes. Qu'a-t-il de si gênant sur ce papier? Je te prie de nous excuser. À nouveau, bienvenue dans la chambre de velours. Bienvenue mes fesses, ouais, c'était moins une. Marie retourne s'asseoir sans cesser de s'agiter. Qu'est-ce que c'était que ce papier encore? Alors, fusion de persona, il me faut des personas du battleur.
Eh ben c'est chiant. Bon après tu me diras, slime doit pas coûter bien cher hein. Orobas. Qu'est-ce que c'est que ce merdier encore hein. Mais par contre ça va nous enlever Valkyrie quoi. Bon après on va gagner Agui, donc c'est pas mal en vrai. C'est pas mal Agui. Les compétences que tu veux transférer, clairement Zio et... Y'a pas... Attends, je peux pas transférer la glace là? Je peux pas transférer l'autre? Oh non, l'arnaque. Suicide la peur, entaille, Dia, Patra, Rakunda, bah Dia hein, du coup. Hein. C'est pas grave, Agui et Zio, c'est très bien. On y va. Donc là, elle est censée être niveau 8, mais elle va popper meilleur, c'est ça? J'avoue qu'elle est stylée cette muco. Hein. Je suis Orobas, très bien, je mettrai ma force à ton service. Oh là, oh là, oh là! J'aurais préféré ne pas voir cette pause. Niveau 9, très bien. Très bien, très bien. Niveau 10, très bien, très bien. Oh là, balèze en magie, le machin. Très bien. Pocket Orobas, gmail.com. Ok, bravo. Franchement, bravo. Franchement, franchement, GG. Le pack Omwakan et Izanagi. Pour Nata Taishi. Mais c'est de la merde, ça. Putain, mais j'aurais plus de trucs du chariot pour chier. C'est pas grave, on pourra racheter slime. Regardez. Voir le compendium. Voir le compendium. Si on va chercher le chariot, il doit pas coûter bien cher. Slime. Combien? Mais ils sont malades! 2000 yens! Bah c'est non, hein. Et t'as fait ricaner, j'ai réussi mon coup. C'est vrai. C'est vrai que j'ai soufflé du nez. Je confirme avoir soufflé du nez. Allez, c'est parti. Bah non, mais je vais aller au lycée, moi, maintenant. Still aching, oh baby, I need your love. Allez. Allons-y, passons du temps à Kyusuke. Voilà, trois notes de musique. C'est important de faire ça, du coup, les trois notes de musique quand même. Hein. June, c'est à de restauration. Yusuke et vous êtes venus manger un morceau. J'aime bien traîner avec toi dans le coin. Même si on est un peu ric-rac, on nous fera toujours une ristoune ici. Par contre, ce genre de faveur a un coût. Ah! Ah, te voilà, Namura! Preuve à l'appui. Bonjour, Senpai. Un problème? Tu ferais mieux de parler à ce crétin de gérant. Je lui ai dit que je pouvais pas travailler samedi et dimanche. Mais il a répondu que je devais venir puisqu'on est en galère de personnel, sinon il va me virer. Y a pas un genre de loi contre ce genre de pratique? Mais vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit en entretien si vous étiez d'accord pour travailler le week-end? Bah si! Ils nous auraient jamais embauchés sinon! C'est bon, j'ai compris, je vais voir ce que je peux faire. Vous voulez garder ce boulot, je me trompe? Ce serait plus facile pour moi si vous veniez bosser de temps en temps le week-end. On va y penser! Active-toi, il va lui parler, entendu? Aïe 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 aïe. Ah, Yusuke, justement, je te cherchais. Ah, bonjour. Écoute un peu, tu te rappelles ma plainte de l'autre jour? Tu sais ce qu'a répondu le boucher? Oui, d'accord, parlons-en un peu plus loin. Excuse-moi, Pocket, tu me donnes une minute? Aïe, 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 Yusuke s'éloigne pour parler à l'employé. Oh. Je suis crevé, je suis pas un cahier de doléances. Ça doit pas être simple, n'en fais pas trop non plus, t'es incroyable. Hein? Vieux, c'est rien que des emmerdes. Yusuke a un sourire penaud. Pensant, tout le monde profite du fait que je sois le fils du patron. J'avais du temps libre, à la limite, mais on a une affaire de meurtre à résoudre. Est-ce que la police peut s'occuper du tueur? Est-ce qu'on peut s'en remettre à la justice? À la minute où on a suivi cette voie, j'ai su que je pouvais pas avoir la tête partout. Je dois faire mon possible. Bien parler, ne t'emballe pas non plus. Tu fais quoi au juste? Bien parler. Hey, vas-y, Mbolo, j'ai l'impression d'avoir dit un truc de fou. Yusuke est interloqué. J'aurais jamais pensé pouvoir parler de sujets aussi sérieux. Avant de venir ici, j'avais des échanges complètement banals et sans intérêt. Je pensais que c'était normal. Y'a qu'avec vous que j'ai des discussions sérieuses. J'ai le sentiment que je vais pas avoir besoin de vous mentir.
Surtout avec toi, qui m'as vu sous mon plus mauvais jour. Remarque, de toutes les personnes ici, je suis content que ça soit tombé sur toi. Mais c'est un peu tard pour le dire, mais merci d'être venu avec moi cette fois-là. Le souquin a un regard penaud. Un sourire ou un regard? C'est bizarre, un regard penaud. J'ai mal lu? Sentez que votre lien avec lui s'est renforcé. Parfait. Rang supérieur, rang 4, avec Yosuke Namura. Vous avez atteint le rang 4 de lien social avec Yosuke Namura. Votre capacité à créer des personnages avec le battleur s'est développée. L'évolution que ressent Yosuke a également affecté sa persona. Nouveau, Dekaja. Dekaja en Kaja, en Kachana, baby, que je n'ai que ça. Je sais pas ce que ça fait, mais on verra. C'est pas tout ça, hein, j'ai la dalle. Bon, je vais voir s'ils me font un prix sur le combo carnivore. Attends-moi ici. Passez du temps avec l'air de restauration avec Yosuke avant d'entrer chez vous. Ok. En 4G. En 4G, baby, je n'ai que ça. C'est les paroles de la chanson, non? Te voilà enfin. Enfin, mais dis donc, va chier un peu, là. Ah putain, appuie sur le bouton à droite pour voir les programmes de télé. Non, mais j'ai pas envie de ça, moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est Tien qui arrive! C'est Tien qui arrive avec le swab! Merci Tien. Comment tu vas, Tien? Bienvenue. 38e mois de sub pour Tien. Me voilà enfin. Qu'est-ce qui t'arrive? Pour l'installation fait. Tien, à chaque fois qu'il va entendre de l'autotune, c'est. Il va regarder tous les rappeurs comme ça en mode Hey, je sais ce que vous faites. Comment tu vas, Tien, ce soir? Rien n'attire votre attention, putain. Toujours avec un rond rouge tout nul. Un rond rouge tout nul? Ah ouais, je vois, ouais. T'as, en plus, ça fait 38 mois, tu vois. Genre, tu pourrais te dire, je vais passer à la suite, tu vois. Je vais upgrader, mais... Tu persistes tes signes dans ton espèce de médiocrité, tu vois, du sub. Donc, c'est aucun... T'inquiète pas, y a pas de jugement, Tien. Tout va bien. Un jour, peut-être, t'auras... quelques lettres de noblesse, quoi. Pardon, c'est horrible ce que je dis. Je rentre de chez ma famille. Cool! T'as passé un petit week-end tranquille? Enfin, tranquille, parce que tu dis fatigué. T'es encore en mode sub. Alors, c'est quoi en mode sub? Je conduisais, il y avait un détour de ouf, ça m'a bien cassé les couilles. Ah! Ah! Alors. C'était que pour la journée. Ok. Elle est dure cette question. Anako semble captivée par le jeu télévisé, vous devriez les laisser tranquille. Ok. T'es encore en mode sub? Ah oui, parce que Ayumu, elle dit ça parce qu'elle est modo. Ah putain. Ah. Putain, j'avais même pas capté. Quel programme regarder? Regardez la chaîne de minuit. Bah ça va skipper la journée, non? La chaîne de minuit. Étagère triple, y'a rien. J'ai pas le droit de sortir, je peux réviser éventuellement. Je peux lire mon bouquin. Qu'est-ce qui se passe si je regarde la télé? Y'a rien à part à la télévision, la chaîne de minuit, jusque les jours de pluie. Bah oui, c'est normal. L'épée, c'est surcoté. Et j'ai toujours mal aux dents? Ah ouais? Mais ça fait combien de jours, là? Oh, sur le week-end, ça s'est pas passé? Et du coup, qui va mourir? Bah on sait pas, hein. On sait pas qui va mourir. Bon, soit je peux réviser, soit je lis mon bouquin, quoi. En fait, je pense qu'il faut que je trouve un hameçon. J'ai l'impression que le vieux qui va... C'est le vieux qui va nous donner la canne à pêche. Bon, bah, congé ou manuel de bureau pour notre discipline. Je pense que ça va être congé pour de l'empathie, hein. C'est ça, hein. Ouais. Allez, vas-y. Tu fais encore l'animation de sub derrière toi. J'ai des couleurs quand tu bouges. Ah! Ah oui! C'est vrai! Trop drôle. C'est vrai. Bien vu. Commencez à lire congé. C'est l'histoire d'un professeur un peu mollasson qui a toutes les peines du monde à faire court. Une nouvelle vision de la vie pour le professeur de j'abandonne à je peux rien, à je peux le faire. Des tendres ailes vous submergent. Vous n'avez pas terminé congé, vous lirez la suite plus tard. Zéro fun, Ayumu. Moi je trouvais ça marrant. En plus ça va bien avec les couleurs de ce persona. Là, ces couleurs-là, ça va bien avec ce persona, franchement. Silhouette, un petit fond jaune là. Vibration, vibration, nani nani ni. Nanana, nanana. Vibration, vibration. Pardon, excuse-moi. Pardon. Alors, vous entendez les élèves discuter. Non, mais c'est... Pardon, excuse-moi, c'est la chaleur qui me fait délirer.
quel déluge, je déteste la pluie. En plus, il va continuer de pleuvoir jusqu'à ce soir, normalement. En parlant de malheur, les partiels commencent lundi prochain. Ils affichent même les résultats à la vue de tous. Du coup, qu'est-ce que j'ai loupé? Pas grand-chose. Là, c'est la vie tranquille. Ceci dit, il y a quand même quelques petits moments sympas. Avec Nanako. La rediff numéro 10 vaudra la peine d'être regardée, je pense. Quand même. C'est pas grand-chose, mais voilà. Ne t'en fais pas pour ça. C'est pas un bout de papier qui va gâcher ta vie, si. Quoi? Comment peux-tu croire une chose pareille? Avoir de bonnes notes, c'est utile pour être bien vu des autres. Les talentueux brillent en société, pas vrai? Changement de streamer, monsieur l'arbitre. Avec la petite... Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Oh, putain. Monsieur Hoy, vous avez acheté le dernier proie parcelé? Bien évidemment, mais comme il pleut aujourd'hui, j'espère pouvoir rentrer sans qu'il soit trempé. Quelqu'un aurait un protège-cahier en plus à me prêter? Bref, je commence sur le cours. N'essayez pas de me distraire en parlant littérature. Aujourd'hui, nous allons discuter de Kokoro, le roman de Soseki Natsume. Ouvrez vos manuels! Avant d'entrer dans le vif du sujet, une question de Soseki même. Sur Soseki même, elle est pour le nouveau, Chou! Sais-tu comment Soseki Natsume a traduit la phrase « I love you » en japonais? Je t'aime, je pourrais mourir, je vous adore, que la lune est belle. Alors, non mais parce qu'en plus, Soseki Natsume, j'ai lu toute sa bibliographie. J'essaie juste de me souvenir en fait. J'essaie juste vraiment de me rappeler ce qu'elle raconte, Soseki Natsume. Putain, je sais plus dans quel bouquin c'est en plus. Hein. Soseki Natsume, je crois qu'elle a dit genre que la lune est belle, je crois. Vous avez la réponse que vous pensez être bonne. T'es calé en littérature, c'est exact, il l'a traduite que la lune est belle. Magnifique, n'est-ce pas? Celui qui traduit Je pourrais mourir étant Shimei Futabetei, bah oui, évidemment. Un écrivain célèbre de l'ère Meiji, mais ça, c'est il y a beaucoup plus longtemps, quoi. Mais il a pris comme source le russe et non l'anglais, avec comme point commun une traduction non littérale. Autrefois au Japon, cette expression d'amour froid n'existait pas. Il fallait donc se montrer créatif. C'est une traduction subtile et affectueuse, non sans rappeler la langue japonaise. Enfin, revenons à Kokoro. Vous avez donné la bonne réponse. Voilà, votre connaissance augmentée. TKT, on sait que t'as fait ça pour que Siri te réponde. Bien sûr. Siri avec son Siri avec mon iPhone, là. Vous entendez le tonnerre gronder. Hey, au fait, Chie, je t'ai racheté l'épreuve du dragon. Version Super Punch à 980 yens. Si j'avais su, je l'aurais pris d'office au lieu de t'offrir un steak. Ah, elle a aussi peur de l'orage? Tite, ça se rapproche! Bah quoi, t'as peur des éclairs? Rigole pas, la foudre c'est mortel! C'est assez commun apparemment la peur des orages. Tu pètes trop les plombs. Ce genre de temps, c'est bon pour ton entraînement de kung-fu. Boum, un éclair, naissance d'une nouvelle technique. Il y a trop ça dans tes DVD. Abruti! Tu te fiches de ce que je ressens! Si quelqu'un doit être foudroyé, j'espère que ce sera toi! Ah! Une coupure d'électricité? Ça t'apprendra à chier, tu nous as porté la poisse. Bon, il faut que je me dépêche d'aller bosser, moi. Si les produits alimentaires se vendent bien, j'aurai peut-être une petite prime en fin de semaine. Je sais pas si les clients viendront par ce temps, mais je fais le max pour pouvoir m'acheter une mob. Ah, on va lui dire que ça sert à rien de venir. Tiens, c'est mon boss. Allô? Yosuke, écoute, on a des coupures courantes au magasin à cause de la foudre. Tu peux venir en avance, tous les rayons réfrigérés sont à l'arrêt. On va sans doute devoir fermer les démontaires plus tôt. Quoi? Mais ma paix! Bref, j'ai besoin que tu m'aides à gérer la situation, je compte sur toi, tout de suite! Mais! Pourquoi c'est moi que tu regardes? Ah, mon de merde! Yukiko, et si on rentrait? Chie, tu connais cette histoire? Une fille a oublié ses devoirs et s'est introduite dans le lycée la nuit, mais elle a eu envie d'aller au WC. Elle va aux toilettes des filles, mais bien sûr, les lumières sont éteintes. Elle est seule. Et là, dans le miroir... Stop, temps mort! C'est quoi que tu nous racontes, là? Mais, c'est une histoire de fantôme, je croyais que tu étais amatrice. Oui, mais pas maintenant! Chie, les yeux embués de larmes, que faire? Sortir une histoire horrible et fleurer le dos de Chie. Yukiko en mode père castor. Yukiko en mode pas le temps surtout, ouais. Pas le temps pour les faibles. Hein. J'en connais des caisses des personnes apeurées par la foudre. Moi, j'en connaissais pas beaucoup avant de connaître Zugi. Et en fait, je me suis rendu compte après coup qu'il y avait plein de gens.
Sortir une histoire horrible et ferait le dos de Chie la réconforter. Et en même temps, Tsugi, elle a plus trop peur de la foudre, je crois. Mais... Sortir une histoire horrible et fleurer le dos de Chie et la réconforter. On va la réconforter. N'est pas une brute. Merci, heureusement que t'es là. T'as plus qu'à demander au chef de te porter jusque chez toi. Tu te moques de moi ou je rêve? Bah oui, tu perds totalement les pédales. Tu perds tellement les pédales que je suis obligé. L'électricité de retour. Allez Yukiko, on file à la maison. Je vais jamais avoir le temps. Chie et Yukiko partent en catastrophe. Je vais jamais avoir le temps. Les cours sont finis pour aujourd'hui. Vous devriez attendre la prochaine nuit pluvieuse. Bah c'est ce soir. Hein. Mais par contre, on est d'accord que je vais jamais avoir le temps du coup d'avoir un lien social avec Yukiko. Sensei qu'ils ont traduit par grand chef. Oui. Tout à fait. Tout à exactement. Du coup, bah l'entraînement c'est mort. Attends, mais ils ont cours le samedi au Japon ? Monde de merde un peu, non ? Dans la télé, révision bibliothèque, distributeur de capsules. Ah oui, manger un Aya pour avoir un super ramen du cul, là. Vite, vite, vite. Allez, en ville. C'est ça, mercredi. Je suis pas sûr de comprendre. Vite, vite, il faut aller à Aya pour manger un gros ramen de ouf, là. Le maxi gudon spécial jour de pluie. C'est restaurant chinois, Aya. Des prix réduits aujourd'hui. Une pancarte indique défi du jour. Le méga gudon à 3000 yens. Si vous finissez votre bol, il est offert. Allez, c'est parti. Passez du temps ici. Par contre, elle est où la reministe, par contre? Parce qu'ils ont dit 3000 yens, mais... Centre-ville, restaurant chinois, Aya. Vous avez accepté le défi méga gudon spécial jour de pluie. Vous ne voyez toujours pas le riz. Vous commencez à croire que votre bol est un portail vers la dimension carnée. La quantité de viande présente dans ce bol est vraiment déconcertante. Pour finir le bol, vous devez avoir l'empathie pour l'animal dans votre plat, la connaissance du rythme adapté, le courage d'affronter le déluge de viande et de la discipline pour préserver face à ce défi colossal. Toutes ces qualités sont nécessaires pour le défi méga gudon spécial jour de pluie. Dans votre état, vous ne pourrez pas finir le repas. RIP. Vous avez fait votre possible pour finir le défi méga gudon et votre personnalité a grandement évolué. Votre empathie a augmenté, votre connaissance a augmenté, votre courage a augmenté. Aïe, comme c'est dommage, ça fera 3000 yens, merci, à très bientôt. Aïe, ma fille m'a parlé de toi. Alors comme ça, tu viens de notre lycée, elle dit qu'elle t'aime bien. Elle s'appelle Aika, ça tombe mal, elle est partie en livraison. Une fois votre repas terminé, vous rentrez à la maison. Hein? Ah bon, mais comment ça, sa fille Ah mais oui, ça fait deux fois qu'il nous dit ça, non? Bienvenue à la maison. La pluie s'est arrêtée, mais le tonnerre a grondé fort. T'as eu peur, grand frère? Non, ça va, j'ai pas peur. Est-ce qu'on peut aller passer du temps avec Chie peut-être ce soir? Ce serait sympa. Le daron qui essaie de te caser. J'avoue que c'est allé vite, hein. C'est allé bien vite, hein. Le sanctuaire, est-ce qu'il se passe des choses au sanctuaire, du coup? Vous ramenez le calme en vous et frappez vos mains l'une contre l'autre. Vous avez l'impression d'avoir gagné en connaissance dernièrement. Vous devriez peut-être chercher un petit boulot qui nécessite de la connaissance. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les petits boulots. On pourrait essayer les petits boulots aussi quand même. Il y avait un boulot, vous savez, qu'on n'a pas fait. Qui est l'animateur de garderie assistant que tout le monde faisait. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on le fasse? Niveau d'empathie requis. Minimum 4000 yens. Lundi, vendredi, samedi. Acceptez ce petit boulot. Vas-y, on y va. Prenez le bus du quartier commerçant à la colline. S'il ne peut pas lundi... Hein. Ok. Dommage. Parce qu'ils avaient tous l'air de faire ça en vrai. Ils avaient tous l'air de faire ce boulot-là. Mais par contre, il n'y a pas de chier du tout, là, c'est ça? Il n'y a personne ce soir? Il n'y a personne ce soir. C'est la Hesse.
va encore falloir lire. Et le chien toujours en train de creuser au même endroit. Pour... C'est vrai, l'empathie, c'est pas pour les hommes. Non, mais je lis un truc sur un prof triste en ce moment, donc je développe bien mon empathie aussi. Canapé idéal pour un peu de lecture. Oui, vas-y. Hop là, congé. Oui. Vous essayez de continuer à lire congé. C'est l'histoire d'un professeur un peu mollasson qui a toutes les peines du monde à faire court. Une nouvelle vision de la vie pour le professeur de j'abandonne à je peux le faire. Tendres élans vous submergent. Vous avez fini de lire congé. Votre empathie a augmenté. Ah, yes. Votre empathie passe de basique à gentil. Pas mal. Est-ce qu'il y a un menu pour traquer nos stats comme dans Persona 5? Ou pas du tout? On est dimanche, il n'y a pas école aujourd'hui. Vous demandez s'il pleuvra à nouveau cette nuit. Les partiels du premier, premier semestre commencent demain. Que voulez-vous faire? Téléphone. Oh, allô? C'est moi, Chie. C'est ton pote de passer un peu de temps avec moi aujourd'hui. Je vais faire une pause dans mes révisions. Voir le niveau de lien social. On pourrait passer une prochaine fois. D'accord, désolé de t'avoir dérangé, on se voit au bahut. Le style du dimanche est approximatif. De quoi chez Chie? Non, elle a trop la classe. Elle a trop la classe le dimanche, Chie. Ah! Nalako s'est enfin fait kidnapper. Nalako s'est enfin fait kidnapper, hein, j'ai l'impression. Le tien? Mais non, il est trop bien aussi. Juste que t'as pas la classe comme moi, tu peux pas comprendre. Pas comprendre. J'ai oublié quel jour c'était mon petit boulot. Ah ouais, Chie, il fallait lui répondre du tac au tac, sinon c'est mort, c'est ça? Accepter la requête sur les mains. C'est sûr qu'il n'y a personne avant d'appeler le renard. Renard vous a apporté un EMA avec un vœu inscrit dessus. L'EMA est écrit en lettres bien rondes, sans doute l'écriture d'une jeune fille. Je veux que les choses avancent avec la personne qui me plaît. Le renard semble vouloir que vous exauciez en son nom le vœu écrit sur l'EMA. Peut-être pense-t-il que si les vœux sont exaucés, plus d'argent terminera dans la boîte des offrandes. Si vous exaucez le vœu sur l'EMA, votre lien avec le renard se renforcera. Acceptez sa requête, oui. 4-7, je souhaite trouver l'amour. Bi! Renard a l'air heureux. Ok. Temps avec Marie, Kyosuke. Tout le monde a Tège Chie, la pauvre. Les gens n'ont pas répondu du tout favorablement à Chie, quoi. Hein. C'est un truc comme le... C'est le truc de vœu comme pour Jirachi. J'ai l'impression, ouais. Quête. Une fille veut se rapprocher d'un garçon qu'elle apprécie. C'est tout? C'est vraiment tout? C'est chiant? Et en vrai, état, est-ce que je peux vérifier mes stats peut-être? Changer les infos. Ah, voilà! Voilà! Bon, je suis pas éloquent et je suis pas discipliné. Ok. Mais par contre, Yukiko, toujours pas de... Hein? Dis, qu'est-ce que tu penses de moi, Shota? Je te... déteste pas. Ça veut dire que tu m'aimes bien plus que Rumi, mais plus comment? C'était elle, la yuen de la prédiction? Ce live P4G, je vais me ramener en poussant le cri du renard. Putain. Tant que tu fais pas des mélanges... Hein, y en a ici qui font des mélanges, on dira pas qui. Alors, j'ai l'impression que, ouais, hein, Chie c'est dead. Hein. Il y avait Marie de dispo, mais c'est tout. Hein. Il y avait Marie de dispo, mais c'est tout. On peut aller voir la planning d'Ondab, cela dit. Hein. Ruslat! Ok, d'accord. C'est compliqué, Tienne, non? Ouais, vous voyez, lui, il veut un hameçon. Je pense que c'est...
C'est elle qui veut... J'ai demandé qu'est-ce qu'on fait pour Showa no Hi, et on m'a dit que Showa venait avant Heisei. L'ère Showa a duré 64 ans. 64, c'est 4x4. 4x4x4, beaucoup de 4. C'est pour ça que je cherche un trèfle à 4 feuilles. Je m'arrêterai seulement quand j'aurai trouvé. Putain, mais dis donc, ils sont cons dans cette ville. Orienne dans la place. J'avoue. Et donc Junes, ah oui d'accord, il y a Yosuke ici, d'accord, ok. Tapi pa 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 la pa lui pui pui li pui. Pa li pa pi la pa pa la pa pa pui la pui li pui. Allez, vas-y, on y va. Passez du temps avec Yosuke. Alors c'est parti, Yosuke elle est heureux, très bien. Ok, votre chambre. Yosuke a débarqué sans prévenir. Ah, vachement propre. Alors, où tu les caches? Sous le futon? Absolument, hein? Pas toi? Hein? Allez, fais pas l'innocent, t'inquiète. Je suis toujours ton pote, même si tu mates des trucs crado. Yosuke, elle doit bien s'amuser. T'as déjà invité une fille ici? Oui, non, bientôt. Sérieusement? Donc t'es déjà sur quelqu'un? Yosuke est surexcité, trop facile, c'est tellement adolescent. Grand frère, t'es là-haut? T'as vu mon annonce publique? C'est Nanako faisant l'entrée. Nanako, t'es libre aujourd'hui? Non, je vais chez Takeyoshi avec Miwa et Yo. Dans la maison d'un garçon? Takeyoshi est à côté de moi en classe, je lui donnais l'annonce publique. Miwa veut bien venir avec moi parce qu'elle l'aime bien. Parce qu'elle l'aime bien. Ils grandissent à une vitesse, les gamins. Moi aussi, mon premier amour date du CP, j'ai toujours été en avance sur mon temps. Mais j'ai pas besoin de ça dans la vie maintenant. Ce n'est pas le moment. J'ai quelque chose à faire avant. Tes devoirs? Non. Enfin, si, dans un sens. T'es une petite maline, Nanako. Nanako sort rendre visite à son amie. Elle a parlé de devoirs. Choper le tueur, arrêter les meurtres, amener la paix en ville. On n'est pas les seuls à pouvoir... On est les seuls à pouvoir le faire, hein. On doit tenir bon, je compte sur toi. Détermination de Yosuke fait plaisir à voir. Vous sentez la confiance qu'il vous en témoigne. Très bien. Rang 5. C'est déjà la moitié, hein. Vous avez atteint le niveau 5 de votre lien social avec Yosuke Namura. Capacité à créer des personnages liés avec le battleur s'est développée. Alors, vous pouvez désormais soigner les altérations graves au combat. Parfait. Très bien. T'as entendu parler de l'annonce pour rejoindre la sauce des jeunes travailleurs? Comme quoi ils veulent mettre sur pied un événement pour stimuler l'économie locale. Junes va donc jouer le jeu. Ils essaient de m'embrigader. Je leur ai dit que j'avais pas le temps, mais ils me lâchent pas. Je m'en fiche pas mal de leur association ou de leur événement. Yosuke soupire. Bon, il est grand temps de regarder sous le futon. Elle a une carte, Nanako. Oui, elle a une carte, Nanako. Oui, tout à fait, ouais. Faudra que tu regardes ça, ouais. La justice. Discuter de choses et d'autres avec lui. C'est dit au revoir à Yosuke à la nuit tombée. Putain, qu'est-ce que j'allais dire? Oh! Nako est perdue dans ses pensées. Demander ce qui ne va pas, attendre qu'elle parle. Vous attendez que Nako s'exprime d'elle-même. Nako gigote. J'ai fait des fleurs à l'école hier. Ils ont dit qu'aujourd'hui c'était la fête des mères. La maîtresse a dit que c'est un jour où on donne des fleurs à sa maman. Putain, mais la maîtresse des tartes en fait. La maîtresse des tartes. Putain, tu as un truc à savoir. Excusez-moi, je vais être extrêmement méprisant envers le métier de professeur de maternelle, mais tu as un truc à savoir quand t'es professeur de maternelle. C'est la situation parentale des élèves, histoire de pas faire de conneries pour les enfants. Genre vraiment, tu vois. Genre vraiment. Mais j'ai pas de maman, alors je sais pas quoi faire de mes fleurs. Nanako a l'air peinée. Tu peux les lui donner. Donne-les à ton papa, donne-les à moi. Donne-les à ton papa. Ah bon? Mais c'est la fête des mères, on peut les donner à papa? Mais bien sûr. Bon, d'accord, j'allais lui donner alors. Tiens, je les ai bien réussis, tu sais. La maîtresse les a trouvées très jolies. Elle a dit que je pourrais les donner à ma maman. Je me demande si papa sera content de les recevoir.
Elle a quoi à l'air heureuse? Tu devrais faire une fleur aussi. On pourra célébrer la fête des mères ensemble. Anako vous apprend à faire des fleurs en origami. On a réussi! Vous posez les fleurs sur la table avec un mot pour Dojima. Il se fait tard, vous mettez Nanako au lit et allez dans votre chambre. Quoi, j'ai pas le droit de sortir là? Ah si, merci. Les fleurs, Dojima! Putain! Je t'ai filé des fleurs là, laisse-moi sortir! Putain. Surtout connaissant le Japon, c'est pas sûr qu'il y ait une fête des pères. Ah bon? Pourquoi? J'ai pas le droit de sortir du coup. Hein. Y a pas de truc dans le frigo? Temps avec Dojima? Comment ça, temps avec Dojima? Comment ça, temps avec Dojima? Ah oui, j'ai eu la lettre et les fleurs de la part de Nanako. J'avais oublié la fête des mères. Merci. Je suis peut-être pas une mère, mais ça me fait plaisir. Hey. Salut Pocket. Tout se passe bien? Tu dois être habitué à vivre ici maintenant. Parlez à Dojima. Oh, tu t'ennuies? Viens, assieds-toi. Quoi? Qu'on m'apporte une épée de légende, j'ai un prof impardonnable à tailler. Ouais. Surtout qu'on... Alors, excuse-moi. On n'a pas eu le temps de discuter depuis que t'es arrivé, hein. Ça va être le pape encore, c'est ça? Dojima cherche désespérément un sujet de conversation. Ça se passe bien, le lycée? C'est sympa, bof, c'est pénible. C'est sympa. Je vois. C'est bien. Allez, il a instantanément fermé la conversation. Tu vas avoir fini le lycée en un clin d'œil. Profites-en autant que tu peux. Dojima hoche de la tête. Sinon... Ah oui, et tes amis? On dirait que tu en as fait beaucoup. Dojima fronce les sourcils. Sans vouloir te dicter qui tu peux fréquenter. Tu vois de quoi je parle, pas vrai? Tu peux parler franchement. N'aie pas assez de courage. Tu vois de quoi je parle, pas vrai? Non. Tu te moques de moi? Je sais pas si tu fais semblant ou si tu as vraiment rien remarqué. Dojima soupire. On dirait que tu es toujours là quand il y a des problèmes. Mais c'est arrivé une fois! Une fois, vous m'avez vu avec un katana en plastique et vous m'avez arrêté au commissariat! J'aimerais ne pas avoir y penser, mais les meurtres ont commencé quand tu es arrivé. Dans mon métier, il faut savoir éliminer le superflu et se concentrer sur les faits. Si tu continues à interférer avec mon travail... Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Grand frère n'a rien fait de mal! Je sais, c'est pas ce que je voulais dire. Mais tu l'embêtes! Je l'embête pas, on faisait que discuter. Il commence à se faire tard, va dormir. D'accord. Oh là 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 là, that went fast real fast, ouais ouais ouais. Genre Dojima, il a une carte? Bah oui, très certainement, il doit avoir l'empereur... le pape. Ça alors, elle s'est vraiment attachée à toi. Bref, il ne va pas te mettre en danger. Ah, excuse-moi! Oh, la voix grave! Pardon, excuse-moi. Waouh, ça m'a... Oh. Puis en plus, là, il fait chaud, du coup. Tout va bien tant que tu ne crains rien. Ce n'est pas comme si tes parents voulaient que j'améliore tes notes. Dojima est sincèrement inquiet pour vous. Vous sentez un lien ténu se former entre vous et Dojima. Et voilà! Le pape! I art thou, and thou art I. Thou established a new bond. Obligé de tout faire soi-même, c'est pas vrai. Ok, c'est cool le lycée. C'est toi les meurtres, non? J'avoue, putain. Vous les jeunes là. Voilà, vous avez établi un lien social avec Ryotaro Dojima, le pape. Les fusions de personnes alignées avec le pape peuvent vous rapporter un bonus XP, merci. Inaba est peut-être un peu différente de ce dont tu as l'habitude, mais c'est une bonne ville. Oh. Quoi qu'elle est un peu dangereuse en ce moment. Sur ce, il est temps d'aller te coucher, va dormir. Bonne nuit. Vous dites bonne nuit à Dojima et remontez dans votre chambre. Ok, donc les soirs où on pourra pas sortir, finalement on pourra peut-être passer du temps avec lui quoi. Les partiels du premier trimestre ont lieu d'aujourd'hui à jeudi. Oh, donc question d'arriver en retard. C'est parti. On va avoir le droit de rien faire. Salut! Les examens commencent aujourd'hui, c'est dur la vie! Est-ce que tu as révisé? Il faut avoir l'œil du tigre. Ah, oh, tu sais me parler toi! Mais une fois les examens finis, il nous restera l'affaire!
Tous ces trucs déprimants vont continuer encore et encore. Les jeunes et leurs couteaux, là, de mon temps, on avait sur nous de quoi pouvoir couper le saucisson en toutes circonstances. Tout à fait. Exact, premier jour des partiels. Comment s'appelle le processus de croissance musculaire après un exercice? Surcompensation. Vous êtes sûr d'avoir donné la bonne réponse? Quelle est l'année précédant le premier après Jésus-Christ? Pardon, l'an 1 après Jésus-Christ. L'an 1 avant Jésus-Christ. Vous êtes sûr d'avoir donné les bonnes réponses? Ils sont faciles, les partiels. Attends, mais les partiels sont beaucoup plus simples qu'avant. C'est juste une redite des questions. Deuxième jour des partiels. Ah oui, d'accord. Lesquels de ces nombres n'existent pas? Oh merde, j'ai oublié. Attendez, j'ai oublié ça. C'est pas les nombres fiancés qui n'existent pas? Les nombres mariés n'existent pas. Celle-là, j'ai oublié. Vous êtes sûr d'avoir donné les bonnes réponses? Qui a traduit Je t'aime par Que la lune est belle? Soseki Natsume. Shimei Futabatei, c'est celui qui était dans la Hermesei et qui a dit je sais plus quoi. Soseki Natsume. Vous êtes sûr d'avoir donné la bonne réponse? Let's go. Allez hop. Hop là. J'ai enlevé la triche. Troisième jour des partiels. Qui a dit « Aucun homme n'est libre s'il ne sait se contrôler » Pythagore. Vous êtes sûr d'avoir donné les bonnes réponses? Laquelle de ces montagnes est la plus haute du système solaire? C'est le Maxwell Montes, non? Sur Mars? C'est pas ça? Ah non, c'est le mont Olympus. Sur Mars. Shimei Futabatei, c'est celui qui te parle au téléphone et qui a des caméras dans ta chambre. Quoi? Dernier jour d'examen, aucune question ne vous a paru insurmontable. Vous êtes sûr de vos réponses? Comment faire passer 4 jours dans le calendrier d'un seul coup d'un seul, quoi? Oh! C'est enfin fini! Un point en moins, tous les élèves du monde ont ça en commun, hein. Le soulagement après les examens. Silence! T'as répondu quoi à la question 7? Celle qui demandait à quoi se rapportait le « il » dans la phrase? Ah oui, j'ai mis « son air mélancolique ». Quoi? Mais je me suis planté alors! J'ai mis le mochi sur la table! Quel mochi? L'histoire parlait de mochi? Ref à P5 et Futaba. J'ai pas la rêve du tout. J'ai complètement oublié ce nom, Futabatei. Ok, j'abandonne tout espoir pour l'expression écrite. Je mise tout sur la géo. T'as répondu quoi pour la montagne la plus haute du système solaire? Olympus Mons. Non, sérieux? Ah, je me suis planté! C'est ce que j'ai mis aussi? Toi aussi? Bon, bah c'était sûrement la bonne réponse. Pff, j'ai trop hâte que nos notes soient affichées dans le hall, hein, que tout le monde les voit bien. T'es au courant? Il y a une chaîne de télé qui filme les trucs en ville. C'est sûrement encore à propos de cette affaire de cadavre pendu. Non, non. Tu vois la Voie Express? Ils font un reportage sur les gangs de bikers qui traînent là-bas. J'ai un copain qui va aux réunions de bikers des fois. Il me l'a dit. Tu traînes avec un membre de gang de bikers? Bah dis donc. Sinon, tu penses quoi de la rencontre à l'aveugle de demain? On était censé se voir dehors, mais il va pleuvoir bientôt. Vaut mieux jouer la sécurité, non? Des gangs de bikers? Oui, oui, ils font cirque de temps en temps. Tu dois habiter assez loin pour pas les entendre. Non, nous on est tout près de la boucle, de la route. Il y a un boucan à devenir dingue. Il paraît que des gens de notre lycée en font partie aussi. Ouais, il y a des rumeurs qui courent sur un premier année qui serait une vraie terreur. Un des gars chez June jure que c'est une espèce de légende depuis qu'il est au collège. Quoique, est-ce qu'il était dans un gang de bikers? Une légende? Légende de quoi? Non, pas dans ce sens-là, Yukiko. J'ai la référence de Futaba la Geek Girl. Mais... Ah, Futaba Tei. Ah oui, d'accord, ok. C'était le dernier jour des partiels, vous devrez attendre la prochaine nuit pluvieuse. Très bien. Bon, bah on va aller voir le gang de bikers, j'imagine. Ils vont tous voir le gang de bikers, on est d'accord? Rapport au renard, club sur... Ah, ils réussissent à faire le rapport au renard? Comment ça? Ils ont trouvé la réponse?
se renseigner sur ses hobbies, demander ce qu'elle fait là. J'aime bien être ici, c'est tout, on voit le ciel, c'est du bien, pas vrai? Il y a une meuf qui... Putain, mais on a trop de confidents à faire en même temps, là. C'est compliqué, toute cette histoire, là. C'est lui, là? C'est pas lui. Est-ce que je vais avoir raté sa quête parce que je vais pas être allé assez vite? Ah. Là. Ah! Quoi? Oh, t'es nouveau, Pocket! Pocket? Ah, j'ai dû me tromper, c'est ton casier à chaussures! Alicia est partie en courant. Hein? Il y a quelque chose dans votre casier à chaussures. C'est un mot. Excuse-moi de t'écrire comme ça, j'ai réprimé mes sentiments pour ne pas perturber tes études, mais maintenant je dois te le dire, je t'aime! Un mot très évident, émouvant, cependant il est adressé à quelqu'un d'autre. Visiblement, ma fille s'est trompée de casier à chaussures. Peut-être est-elle l'auteur de l'Emma que le renard vous a montré. Vous devriez lui parler la prochaine fois que vous la croiserez. C'est quoi ce casier défoncé là? Il faut la poursuivre la meuf ou ça se passe comment là? Qu'est-ce qu'il me veut lui? Dis, t'as déjà entendu parler des postes à galène? Ils sont pas difficiles à assembler à condition qu'on ait les bons matériaux et une antenne. J'en ai fabriqué un en primaire. Là, je l'ai retrouvé l'an dernier en nettoyant la maison. Ça m'a rappelé des souvenirs. J'en ferai bien un autre. Désolé de changer de sujet comme ça, mais t'aurais une minute? Bien sûr, je t'écoute. Eh bien, je vais fabriquer un autre poste à galène et il manque de matériaux. Je n'ai pas de fil de leads pour l'antenne. Tu vois ce que c'est? Un fil de cuivre tressé et émaillé. J'allais mettre une télé en pièces pour trouver les matériaux, mais je ne sais pas comment faire. Tu peux rien en trouver en vente ou que ce soit. Si par hasard t'en trouves un, pense à moi. Je te donnerai quelque chose d'introuvable en magasin. Je chercherai dans la télé. Quoi? J'ai vraiment des trucs bizarres parfois. Mais ça me va, je te laisse gérer. J'attends mon fil de laine, de pied ferme, ça se trouve plus en boutique. Ok. On poursuit pas les meufs, Chou. Non, je vais pas la poursuivre, mais j'imagine que par contre, pour faire avancer la truc du renard, il faut la retrouver pour lui donner son mot. Je vais pas la poursuivre. Mais c'est juste que pour le... Je m'en fous de cette nana. Mais juste que voilà, il faut qu'elle parle à son. Il faut qu'elle parle au gars dont elle est amoureuse, quoi. Il faut la retrouver. Le problème c'est qu'on va pas pouvoir rentrer dans les classes. C'est ça. Donc on peut essayer d'aller en ville. Peut-être qu'elle est au sanctuaire. Je vais pas la poursuivre. Mais il faut que je la retrouve pour lui donner son escarpin de verre, enfin, vous m'avez compris quoi. Juste la traquer, c'est super, mais... En vrai, on est d'accord, c'est l'hameçon, c'est dans la mercerie. On va aller voir la plaine inondable. Toujours rien ici. Oui. Est-ce qu'elle est dans notre classe peut-être? Peut-être qu'elle est dans notre classe, hein. Merde, c'est le troisième étage, ça. Enfin, c'est le deuxième étage, plutôt. Étage de troisième année. Moi, je suis en 2-2. C'est une meuf de notre classe? Ah, c'est la classe de coup. Pardon. C'est une meuf de notre classe, peut-être? C'est elle? Ah oui, statue d'ange. Mais c'est autre chose, ça. Relis la quête au cas où. Pas faux. C'est tout. Pas plus d'infos que ça.
Pas plus d'infos que ça. My bad, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on fait les gens du coup? Du temps avec Chier, rapport au renard. Tu vois, rapport au renard, hein. BD, quoi BD, BS. Ah, bullshit. On va aller avec le... On va... J'imagine qu'ils feront l'avance avec le club de théâtre. C'est quoi ça, le soleil, hein. J'en ai pas, on est d'accord? J'en ai pas. Est-ce que je passe l'après-midi au théâtre ou est-ce que je passe l'après-midi au club de sport? La force, j'en ai pas non plus, hein. Marchand de sabre et Valkyrie, bah oui, forcément, j'ai plus Valkyrie, putain. Sport, Co est trop mignon. Allez, allons voir Co. Salut Pocket, tu viens à l'entraînement, pas vrai? Sentez que votre lien avec Co va bientôt s'approfondir. Allez, l'entraînement, c'est parti. Super, on va tout donner. C'est parti. Gymnase du lycée Yasugami. C'est à l'entraînement de basket. Votre discipline a augmenté. Votre discipline passe de inexpérimenté à persévérant. Yes. Quoi? Les autres sont déjà partis? C'est pour ça que cette équipe est... Bon, tant pis. Bonne nouvelle, votre équipe a une manager maintenant. Plus besoin de faire tout le travail vous-même, vous me remercierez plus tard. Allez, présente-toi. Ai Ibarra. Oh, elle a une... Elle a un portrait. Super. Bon, je te laisse gérer le reste. Bon, je file. Ils s'en battent tous les couilles, les profs. Je vais être clair, je ne compte pas lever le petit doigt pour cette équipe. Hors de question de perdre mon temps à surveiller des mecs en sueur. Quoi? Mais alors pourquoi? J'ai été absente trop souvent, mais j'ai une chance de ne pas redoubler si je gère une équipe. Cela dit, ne vous attendez pas à ce que je fasse le moindre effort. En fait, je ne compte même pas revenir. A plus du coup, ou pas. Oh! Ah bon? Quelle connasse! C'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais en voyant arriver Ai. Tu parles d'une manager? Bref, j'ai faim, allons manger! Yusuke a été remplacé dans ton cœur. J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression que Ayumu fait des infidélités à Yusuke, quoi. Centre-ville. Relationship with Yusuke has ended. Ko is now my best friend. Centre-ville, restaurant chinois Aya. Ah, j'ai rêvé de cet endroit toutes les nuits depuis que j'ai dû vous lâcher la dernière fois. Comment ça s'est passé? Quoi, mes rêves? Oh, avec ma famille, tu veux dire? Ah, oh, c'est compliqué. Kori. Daisuke t'a tout raconté, pas vrai Pocket? Ma famille est assez intéressante. Les mariages arrangés par intérêt politique sous monnaie courante chez nous. Rien que l'autre jour, j'étais à une réunion de la haute société. Imaginez un peu, moi, à l'un de ces trucs. Difficile à imaginer, je l'imagine tout à fait. Difficile à imaginer. C'est vraiment ridicule à force. Quoi affiche un sourire désabusé. En tout cas, si jamais tu croises ma famille, ne leur dis pas que je mange ici ou ne parle pas comme ça. Chez moi, c'est révision, leçon et cérémonie du thé. Pour eux, je suis un jeune maître bien élevé. Jeune maître? Ouais, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je sais que ça a l'air pénible, mais bon, c'est eux qui me nourrissent et me donnent de l'argent de poche. Il faut bien que je remplisse ma part du contrat. Peut-être, mais bon. Bref, on s'en fiche. C'est sans doute bientôt derrière moi, de toute façon. On est une famille traditionnelle et non Ichijo est transmis de génération en génération. Mais le dernier homme de la famille, mon père, n'avait pas d'enfant à qui le léguer. Ah, il ne voulait pas laisser la famille Ichijo disparaître, alors ils m'ont adopté. J'ai pas lu la phrase, j'ai commencé à réfléchir. Et là, paf, mon père a réussi à avoir un enfant, une fille. C'est un peu comme une petite sœur pour moi. Elle s'appelle Sachiko, elle a presque 2 ans et elle est super mignonne. Ko essaie d'avoir l'air joyeux. Tant mieux pour toi, souris un peu. Ah, c'est quoi la bonne réponse là? Pourtant, leur pote du foot, il est trop bien... Il est trop bien avec son modèle de 45 ans, tout à fait. Quelle est la bonne réponse, là, hein? 3 petits points, je pense. C'est mieux comme ça. Ce serait une sacrée galère d'être leur successeur. Il vaut mieux que le titre vienne à leur enfant biologique. Désolé, je voulais pas plomber l'ambiance. Bon appétit. Ouais. Ces discussions à cœur ouvert prouvent que Daisuke et Ku vous font confiance. Bon, j'ai pas très bien réussi le rendez-vous, là, hein, je pense, hein. Athlètes amicaux, allez.
Vous avez atteint le niveau 4 de votre lien social avec les athlètes amicaux. Votre capacité à créer des personnes et les lignes de la force s'est bien développée. Oubliez ce que je viens de dire. Ah, au fait, je vais parler de ce super tir que j'ai fait. Parler du sport avec Daisuke et Ku. Décide de rentrer après leur avoir dit au revoir. C'est chiant, mais la phrase tombée pour toi, y a rien de plus agressif, passif-agressif, alors que ça devait pouvoir marcher sans l'être. Te voilà enfin. Ah. J'ai fait les courses, le frigo est plein. Est-ce que je pourrais te parler? Tu vas souvent chez Junes? Très souvent. C'est un doux d'Adachi s'éclipse de temps en temps. Je pense qu'il doit traîner dans les alentours de Junes. Si tu croises chez Junes, c'est qu'il est probablement en train de faire l'idiot. Si tu croises Adachi chez Junes, gronde-le ma part, tu veux bien? Vous avez déjà aperçu Adachi à l'heure de restauration. Lors de votre prochain passage chez Junes, essayez de trouver Adachi. Quoi? Il va falloir aller défoncer Adachi? Mais je suis pas payé pour ça. Bon allez Coco, on va s'arrêter là-dessus. Je pense, on reviendra là-dessus jeudi prochain. Vous ouvrez le réfrigérateur, il y a une grande variété de nourriture, vous pourrez faire à manger pour le lendemain. Oh oui, il faut le faire ça du coup apparemment. Il faut toujours le faire. Bon bah écoutez, jeudi, on fera à manger pour quelqu'un, d'accord? Voilà, je me souviens d'une époque où tu te gardais avant les rendez-vous pour le bruit de force. Ouais, mais là j'ai un peu la flemme. Écoute, si je le 100% pas, ce persona, c'est pas grave. D'accord? Si je le 100% pas, c'est pas grave.